Bonjour à tous, nous sommes au sommet du Grand Paris et j'ai le plaisir d'accueillir Richard Curnier, le directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires. Alors, pourquoi participez-vous à cette édition du sommet du Grand Paris ? Mais écoutez, la Banque des Territoires participe depuis quelques années déjà au sommet du Grand Paris et il nous semble intéressant, nous, Banque des Territoires, un acteur finalement qui fabrique un peu la ville aussi, hein, en termes de financement des logements sociaux, financement des métropoles, financement des infrastructures. Donc, il nous semble logique de participer à ce salon pour ces différentes raisons, en fait. Très bien, nous sommes très heureux de vous accueillir au sommet du Grand Paris. Le fil rouge de cette journée est « Quel Grand Paris voulez-vous ? » Et vous, « Quel Grand Paris voulez-vous ? » Ben, c'est un pari plutôt, j'allais dire, abordable pour les concitoyens. On voit bien que le coût de l'immobilier est très cher. Et donc, nous sommes un acteur, finalement, du financement du logement. Donc, c'est permettre aussi que le Parisien puisse accéder dans des meilleures conditions à son logement, d'avoir un logement aussi réhabilité, puisqu'il y a quand même beaucoup de passoires thermiques. Et l'enjeu pour nous aussi, c'est d'aider finalement les organismes HLM de réhabiliter le parc, qui est un mec important, avec un saut d'étiquette énergétique. Vous savez qu'il y a une consommation énergétique, il faut vraiment qu'on puisse réhabiliter des logements de façon à ce qu'ils soient plus verts. Très bien. Vous intervenez sur la thématique « Résoudre la crise du logement, une urgence écologique et sociale ». Quelle est votre idée principale pour prendre à bras le corps ce défi ? Ben, il faut construire plus. Vous savez, il y a un logement pour 10 demandes, en fait. Donc, ça veut dire qu'il manque des logements, donc il faut construire beaucoup plus. Nous sommes finalement un établissement financier. Nous prêtons et nous investissons. Donc, on aide les collectivités locales, justement, à permettre d'avoir un peu plus de foncier, de faire du portage foncier, d'aider les bailleurs sociaux sur des financements très très longs, puisque nous avons cette capacité de prêter sur des durées de 50, voire 80 ans. Donc vous voyez, on a un acteur important. Donc le logement est un sujet crucial au niveau du Grand Paris et c'est ce qu'on va traiter tout à l'heure. Très bien. Merci à vous, Richard Curnier.